Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crayons de Mamouchka. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte à partir d'un sketch. Voilà, c'est... Voilà. Alors qu'est-ce qu'un sketch? Un sketch c'est comme un plan, une mise en page. On y trouve le placement du sentiment, des embellissements et où éventuellement placer les papiers. Je me sers des sketchs quand j'ai envie de faire une carte, bien sûr, ou une page, ça peut se faire aussi sur une page, mais que j'ai pas d'idée, donc je fouille sur Pinterest pour trouver des idées. Et après, bon, bah, je choisis moi-même mes papiers, bien sûr. Hein, donc voilà, alors là, j'ai sorti, je les ai fait à la main. J'ai pris plein de sketchs et j'ai décidé de vous faire une vidéo au moins une fois par semaine. Une vidéo avec en partant d'un sketch. Donc voilà, celui d'aujourd'hui, ça sera ça. On va commencer par celui-ci. Donc moi, je suis partie sur des bases de 15 sur 10,5. Donc voilà. Alors, il faut, pour faire ce sketch, je vais vous expliquer, du papier que vous voulez pour la base. Moi j'ai pris un blanc pour celle-ci, un papier de couleur pour mettre par-dessus, et là plein de petits papiers. Alors j'ai pas coupé dans les grandes feuilles, hein. Je me suis servi de mes chutes que j'avais, des autres cartes que j'ai faites. Donc voilà, je vais vous donner les dimensions que j'ai fait. Un ruban, deux ronds. Et j'ai fait une petite fleur avec une perforatrice et de l'encre. Alors pour faire cette carte, je me suis servi de cette perforatrice ronde de chez Stampin' Up, de celle-ci pour faire la fleur, toujours de chez Stampin' Up, celle-ci en 3,5 cm de chez Mahé. Je me sers pour cette carte du mot, pardon, je sais pas si, voilà, joyeux anniversaire, qui vient du tampon célébration, je vais y arriver, célébration spéciale. Donc il est là, donc je vais le pousser. Ensuite, j'ai tamponné en rose rococo. Donc, un plioir, l'outil touche à tout, un ciseau, et après le double face ou de la colle, comme vous voulez. Moi, j'ai mis du double face à tout. Voilà. Et un plioir pour bien. Alors, on va commencer. Tous mes petits morceaux. Voilà. Alors, pour faire cette carte, j'ai pris un fond blanc, donc qui fait 15 sur 21, et je l'ai plié à 10,5. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une base de cardstock. Donc, celle-ci, ça sera la base qu'on peut. Celle qui est juste après la base blanche. Donc, voilà. Alors elle a fait, mais si je vous donne pas les dimensions, ça sert à rien. Donc celle-ci a fait 14,5. Hop, mon anti sèche. Voilà, 14,5 sur 10. Je laisse toujours un centimètre autour de la... Voilà. Alors, pour le papier le plus grand, qui est là, en bleu, donc j'ai choisi celui-ci. Il fait 3,5 sur 12,
12,5, pardon. En plus, je ne sais pas lire. Donc, on va le coller. Voilà. Après, je vais y mettre celui-ci qui est de la collection. Du papier la collection Je t'aimerai toujours du nouveau catalogue de chez Stampin' Up. Celui-ci aussi vient du nouveau catalogue de chez Stampin' Up. C'est je crois que ça s'appelle Amour toujours. Donc on va le coller à peu près comme ceci. Ensuite, on va prendre deux carrés. Alors, j'ai repris le carré de la base, le carré, n'importe quoi, la couleur de la base de mon papier de fond. Il fait 5,5 sur 5,5. C'est écrit là-dedans, mon papier en principe. Oui, c'est ça, 5,5 sur 5,5. Alors, il va se placer. Désolé, il y a la télé. Alors, maintenant, je repris le papier avec les petits pois. Lui, il fait... les papiers avec les petits pois, il fait 5 sur 5. Voilà. Aïe, il me pique avec le... Ça fait mal. Donc. Voilà. Alors. Je vais d'avant. Donc. Ce papier-là. Qui a une feuille métallisée rose rococo qui fait 10 sur 2 donc qui va aller à ce niveau là et je vais y coller d'abord le ruban de cette couleur là. Le ruban, donc vous prenez la grandeur du voilà, à peu près comme ceci. Je vais le faire de donc je vais mettre. Ça, j'ai oublié de le faire. J'y mets du double face. Voilà. Donc, je vais mettre à peu près au milieu. J'enlève. J'ai oublié que je devais le mettre, donc j'ai mis le scotch avant, c'est pas grave. Je remettrai du scotch par-dessus. Voilà. Donc. Bon, ça tiendra. Hein. Désolé pour le bruit. Alors hop. Donc on le met au milieu. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça ressemble un peu pour l'instant. Alors, donc les ronds, donc les deux ronds, alors nous avons un blanc, il fait 3,5 et les couleurs comme ceci,
il fait 3. Donc voilà, pour, juste pour ressortir, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc on va mettre juste un petit peu de double face, parce que j'ai oublié. D'un côté, comme ça, il tiendra directement. Désolée pour le bruit. Je pense pas avec mettre le matos ailleurs que dans ma petite boîte en plastique. Et le rond, on va le coller au milieu. Je vais y mettre celui-ci, voilà. Alors, par contre, la petite fleur, je vais y mettre un mini glue dots. Voilà. Comme ceci, et je vais la mettre sur le côté. S'il n'y en a pas sur le... Moi j'aime bien en mettre. Je trouve que ça fait plus joli. Alors on va tamponner le mot joyeux anniversaire. Après vous mettez ce que vous voulez. Hein. Oh zut. J'ai le... Alors, c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer la bêtise que j'ai fait avec mon tampon. Ça a un petit peu débordé, ça me plaît pas du tout. Bon, j'ai pris cette agrafeuse qui fait une petite étiquette et j'ai retamponné joyeux anniversaire que je vais mettre dessus avec des stampes. Stamping Dimension Hall. De toute façon, si j'ai une carte que je fais comme ça, je l'en veux à personne. Mais bon. Voilà. Hop. Mettre un troisième pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. Ça soit sur le côté. Vous voyez, je suis partie d'un sketch et puis petit à petit j'ai mis d'autres choses. Donc là, on va y mettre une petite. Et je vais en mettre un de chaque côté pour. Voilà. Et voilà, la carte faite avec ma bêtise. Donc, alors voici le sketch. Et voici ce que moi j'ai fait. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.